au départ, la lumière, mais la lumière contemporaine de Chopin. Bon, enfin, cette pièce a été écrite dans les années 40. Un discours un peu espiègle, une romance, une bagatelle, avec un bel canto très très joli et très séduisant dans le discours de cette mazurka, qui va répéter plusieurs fois. Puis après un passage central en ré bémol majeur. Seconde mineure au-dessus. Qui transmet une notion intime de conversation quotidienne, ou quelque chose comme ça, qui a un sentiment, un état d'esprit qu'il a à un moment. C'est en comparaison, en miroir, ces deux associations des thèmes entre eux, des thèmes entre eux, comment ils forment, comment ils ont leur tenue et leur identité propre. Et donc après, on entend ingénieux sur les miroirs archaïques, des questions d'harmonie perceptive. On va sentir, comme le début, quelque chose autour de cette harmonie. Donc, ça pourrait donner le Do majeur. De jeu de cadence.